Sur le circuit de Chapelle-les-Herlaimont, dans la province du Hainaut, près de Charleroi, le parcours est exigeant ce 23 juin 1996. À 3 tours de la fin, 20 coureurs se sont dégagés du peloton. Dans l'avant-dernier tour, il n'était plus que 7 encore à l'avant de la course. Et c'est là que Johan Brunil a décidé d'attaquer dans une des petites parties vallonnées. Il est suivi par Gerd Van Bond, 25 ans, et surtout Johan Museu, le leader de la formation Mapei. Derrière, Wilfried Peters et Tom Steels protègent les intérêts de leur leader. Devant, les trois hommes de tête s'entendent parfaitement puisque les médailles sont maintenant déjà attribuées. Le Lion des Flandres, déjà sacré en 92, ce c'est le plus rapide au sprint. Il compte déjà son palmarès de ronde, de championnat de Zurich, un Paris-Tour, une Amstel Gold Race et encore un Paris-Roubaix. Johan Museu finalement s'impose très largement au sprint devant Gerd Van Bond et Johan Brunil, maillot jaune sur le Tour de France 95 après son succès d'étape à Liège. C'est le seul succès de Johan Museu en terre wallonne.